Bienvenue sur la cuisine de Mamagisme. Alors aujourd'hui, on va préparer une orfissa. Orfissa, c'est un plat traditionnel marocain qu'on sert en général aux femmes qui viennent d'accoucher ou pour toute autre occasion. Donc la particularité de ce plat, c'est les crêpes. En fait, c'est comme les msemen, les crêpes feuilletées marocaines, sauf que là, ça s'appelle des trid. C'est la même chose, c'est juste la forme qui change. C'est une forme ronde, pas de pliage, juste des ronds, qu'ensuite on va découper. Il y a aussi le fenugrec, le helba, c'est ce qui fait la particularité de ce plat. Donc, pour cette recette, il nous faudra un poulet. Ici, j'ai un poulet fermier, coupé en morceaux. Vous pouvez le laisser entier si vous voulez. Un ou deux oignons en lamelles. Pour les épices, une cuillère à café de sel, gingembre, curcuma et une demi-cuillère à café de poivre. J'ai une petite cuillère à café de beurre rance, de semaine. Alors pour le semaine, vous pouvez retrouver la recette sur ma chaîne YouTube, c'est du semaine maison. Et une pincée de pistil de safran. Ensuite, ici, on a de l'huile. J'ai 3 cuillères à soupe d'huile d'olive et 3 cuillères à soupe d'huile de table. Des lentilles vertes. Les lentilles, je les ai laissées tremper dans l'eau la veille. Là, je vais les égoutter. Il y a à peu près 150 g de lentilles. Et le fenugrec, le helba. Alors ça dépend du goût parce que c'est très fort. Enfin, c'est pas tout le monde qui aime cette odeur-là. Donc ici, j'ai mis 50 g. Mais après, c'est vraiment en fonction de votre goût. Vous pouvez mettre une cuillère à soupe. Vous pouvez ne pas en mettre du tout pour ceux qui n'aiment vraiment pas ça. Et pareil, je laisse tremper toute la nuit dans l'eau. Là, je vais les goûter aussi. Donc il faudra de l'eau, bien sûr. Pour les crêpes, le trid. J'ai 350 g de farine, 250 g de semoule fine, une cuillère à café de sel, de l'eau et de l'huile pour étaler. Alors pour l'eau, la quantité, ça va dépendre après de votre pâte. Là, je vais la faire au robot, je vous donnerai la quantité d'eau exacte. Pour cuire mon poulet, je vais utiliser une cocotte minute pour gagner du temps. Vous pouvez le faire dans une marmite normale. Donc on va commencer par la préparation du poulet, ça va être très simple. Je vais d'abord mettre l'huile dans ma cocotte. Alors, je ne vais pas mettre trop d'huile parce qu'il y a déjà les crêpes qui vont être huilées. Ensuite, je vais mettre les oignons. J'ajoute les épices. Là, je vais mettre mon poulet. Là, je vais venir mettre le beurre rance et les pistils de safran. Et là, je vais venir mélanger. Alors, vous pouvez aussi ajouter un petit bouquet de persil coriandre. Mais là, j'en avais pas et puis ça changera pas vraiment. Mais vous pouvez mettre un petit bouquet de persil coriandre. Là, j'ai laissé revenir à peu près 5 minutes. Je vais ajouter les lentilles et le fenugrec. Maintenant, je vais venir mettre l'eau. Bon, là, j'ai mis un peu plus que 500 ml d'eau. Vous couvrez le poulet, en fait. Là, pour le poulet, c'est terminé. Je vais couvrir, parce que j'ai la cocotte minute. À partir du moment où la cocotte commence à siffler, je compte 25-30 minutes. Et j'éteins. Donc là, je couvre et puis je passe au trid. Alors pour les trid, j'ai la farine, la semoule, le sel et l'eau. Pas de levure, pas d'huile, rien. Donc ça va être simple, hein, je mets tout dans le robot et dès que la pâte commence à se former, c'est bon. Il faut que la pâte soit bien souple, pas trop collante, pas collante, bien souple et bien molle. Ça y est, ma pâte est prête. Elle est bien souple, bien molle. Là, j'ai préparé un plateau que j'ai huilé. Je vais commencer à former des petites boules de pâte et je vais chacune les enrober d'huile. Ensuite, je vais couvrir et je vais laisser reposer 5-10 minutes. Alors, je fais exprès de faire des petites boules de pâte parce que j'ai pas de grande poêle pour trid. Donc, je fais des petites boules.
Voilà, j'ai enrobé toutes mes boules de pâte avec de l'huile. Là, je vais couvrir et je vais laisser 5 minutes pour que la pâte se détende bien. Bon, j'ai laissé mes boules de pâte couvertes pendant 5-10 minutes à peu près. Là, on va commencer à étaler les premières. Donc là, d'abord allumer ma plancha le temps qu'elle chauffe. Là, je vais les faire à la plancha, vous pouvez les faire à la poêle. Hein. Mais essayez de prendre une grande poêle, ce sera plus simple. Donc, mon plateau est enduit avec de l'huile. Je vais mettre un peu d'huile là pour mes mains. Et on commence à étaler. Vous allez voir, ça s'étale tout seul. Bon, là, avec une main, c'est un peu compliqué. Et en fait, là, il y a plusieurs techniques pour le tri. Normalement, on étale, on en met une sur la plaque, on en étale une deuxième, on la pose par-dessus. Et ainsi de suite, on les laisse toutes cuire les unes sur les autres. Moi, je suis pas une spécialiste. Donc là, on va faire, pour que ce soit plus simple, deux par deux. Donc là, j'étale. Ensuite, je vais en mettre une deuxième que je vais étaler pareil. Je vais la mettre une sur l'autre. Donc là, j'en ai étalé deux. Je vais les mettre une sur l'autre. Je vais continuer à étaler. Je sais pas si vous arrivez à voir. On voit bien qu'il y en a deux. Et on continue à étaler. C'est pas grave si vous avez un petit peu de trou hein, quand vous étalez. Mais... Et là, je vais venir poser sur ma plancha. Là, on voit qu'il y a les deux. Il ne faut pas que ce soit trop coloré. Et je vais la plier pour que les bords soient bien cuits aussi. Il faut qu'elle soit bien souple, vous voyez là, comme elle se voit. Et là, la technique traditionnelle, normalement, c'est qu'on étale celle-là et on vient la mettre par-dessus. En fait, on en pose une par-dessus, on laisse un peu cuire et on retourne. Mais moi, j'ai un peu de mal avec ça. Je vais quand même essayer pour vous montrer. Donc là, je vais en mettre une par-dessus celle-là. Là, vous voyez, je viens de poser la troisième par-dessus. Maintenant, je vais retourner. En fait, on fait comme ça, ainsi de suite. Là, j'ai la crue qui est en dessous. Je vais en remettre une crue par-dessus maintenant. En tout cas, si vous n'avez pas envie de faire cette technique-là, vous les faites comme au début, deux par deux. Et si vraiment vous avez la patience, ben, vous les faites chacune leur tour, une par une. Alors, ce qui est bien avec cette technique, c'est que y a juste à les mettre une par une. Là, regarde en dessous, ça commence à cuire. Je retourne et j'en repose une par-dessus. Donc, il faut vite étaler la deuxième boule. Enfin, la boule qu'on va mettre dessus. On remet toujours un peu d'huile. On étale bien et on la met par-dessus celle qui est cuite en fait. La crue reste toujours en dessous à chaque fois quand on retourne. Bon, je sais pas si vous avez compris, j'ai dû vous embrouiller. J'étale la pâte crue, je la mets sur le dessus, je la retourne. Une fois que celle du dessus est cuite, je remets une crue. J'ai pas envie de vous embrouiller. Donc là, je viens de reposer une pâte crue sur le dessus. J'attends 30 secondes et je retourne. Et là, je vais remettre une pâte crue sur le dessus. Et ainsi de suite. Et vous voyez, c'est chaud, mais. Et après, on va les recuire à la vapeur. Au dernier moment, on va les cuire à la vapeur dans le couscoussier. Bon, je remontre avec deux. Donc, j'en ai étalé deux. Je mets une sur l'autre. Et je continue d'étaler. Donc pour ceux et celles qui ont du mal avec la technique de plusieurs trides, là j'en ai mis une sur l'autre, j'en ai mis deux. Je continue d'étaler légèrement et je les fais cuire. Très simple. Donc là c'est juste avec deux feuilles. Dès que je vois que ça commence à cuire, je retourne. Bon, là c'est pas cuit. Hein. Et je continue.
Oui, là j'en ai une, deux, trois, quatre, cinq, bref. Et voilà pourquoi il ne faut pas mettre trop d'huile dans le poulet, parce que c'est assez huileux comme ça. Bon, je termine toutes mes boules de pâte et on se retrouve pour la suite. Voilà, j'ai terminé de cuire toutes mes crêpes, mes trides, vous voyez, elles sont bien souples. Elles sont presque transparentes. Après, elles sont huilées, bien huilées. J'en ai qui sont un peu plus dorées, c'est pas grave. Après, hein. Il y en a qui ont des trous. Donc ça, on va les rouler comme ceci. Et on va venir couper des lamelles avec un ciseau. Pour l'instant, je vais les couvrir pour qu'elles ne durcissent pas. Et je retourne à mon poulet. Alors là, le poulet, il est cuit. Tout est cuit. Je vais juste retirer le poulet et le mettre sur une plaque pour le faire dorer au four. Parce que j'aime bien quand il est bien doré. Donc là, je mets mon poulet au four à 200 degrés pendant 5-10 minutes. Par contre, faites très attention si, comme moi, vous utilisez une cocotte minute parce que ça cuit très vite le poulet. La dernière fois que je l'ai fait, le poulet est en train de s'effriter parce que j'ai laissé trop longtemps. Donc attention à ça. Là, je vais venir filtrer ma sauce pour récupérer les lentilles et le fenugrec. Et laisser la sauce toute seule. Donc là, il reste que les lentilles, le fenugrec et les oignons et en dessous la sauce. Pendant que mon poulet est en train de dorer au four, là, je commence la découpe de mes trides. Donc je les ai roulés et je coupe. Et ensuite, on va les ouvrir pour avoir des rubans. Donc je termine tout ça. Alors, mon poulet, il est bien doré. Là, je termine de découper mes feuilles de trides. Comme vous pouvez le voir, ce qui est le plus long dans cette recette, c'est les trides. Les préparer, les cuire, les découper, les refaire cuire à la vapeur. Mais bon, c'est pas un plat qu'on fait tous les jours, donc on peut prendre le temps de le faire. Une fois que j'ai découpé tous mes trides en bandeaux fins, là je les ai mis dans le couscoussier. Je vais les faire cuire à la vapeur pendant 5 minutes. Là, mes trides ont cuit à la vapeur. C'est très très chaud. On va passer au dressage. Donc je vais mettre d'abord, je prends à la main. Hein. Ensuite, je vais venir arroser avec un peu de sauce. C'est important que le trid soit bien chaud par contre. Je suis désolée si on entend mes enfants à côté. On est samedi. Donc je disais, c'est important que le trid soit bien chaud pour qu'il absorbe bien la sauce. Ensuite, on va venir mettre des morceaux de poulet. Ça dépend du nombre de personnes que vous avez après. Mettre ça comme ça. J'arrose un petit peu le poulet aussi. Et là, si vous aimez le fenugrec, on va couvrir le poulet avec cette préparation-là. Pour ceux qui n'aiment pas, on va mettre juste la sauce et on va servir ça à côté. Et celui qui aime, il mettra de son côté en fait. Celui qui en veut, il en mettra devant lui. Celui qui en veut pas, il aura juste le poulet avec la sauce et les trides. Moi là, je vais tout couvrir. Donc la présentation, c'est pas ce qu'il y a de mieux dans ce plat, mais c'est super bon, vous verrez. Je vous recommande de l'essayer. Voilà, Marfissa est prête. J'espère que cette recette vous a plu. Si c'est le cas, cliquez j'aime, partagez la vidéo et abonnez-vous.